C'est un gâchis énorme, parce que ce dossier, il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas de trace génétique, il a tout perdu dans son pays, voilà. Tout ça pour rien, un dossier qui était vide. Alors maintenant, moi je me pose simplement une question, c'est est-ce que le parquet général va avoir l'indécence de faire appel? 50 mois de détention provisoire, déraciné, deux courriers en 4 ans, de nouvelles de sa famille et des siens, voilà, c'est tout ce qu'il a eu pendant 4 années, et là il est ce soir... dans quelques heures libéré avec rien en poche, mais ses avocats seront là pour l'attendre. C'est quelqu'un qui assume, donc il savait de toute façon qu'il aurait une condamnation. Il l'a accepté et je pense qu'il a, en toute sincérité, je pense qu'il faisait confiance au juré et qu'il l'accepte.